A souffert, je pense, Pilate, a été crucifié, est mort. Voilà donc ce mystère de la rédemption. Quand on lit cet article du Credo, on pourrait bien se demander, était-il vraiment nécessaire que Dieu s'incarnât sur la terre, qu'il mourût sur la croix pour nous? Certes, si l'on considère la toute-puissance de Dieu, il n'était pas nécessaire que notre Seigneur s'incarnât. Le sacrifice de la croix n'était nullement nécessaire. Dieu est tout-puissant. Donc, absolument parlant, il aurait suffi à Dieu d'un acte de volonté, d'une grâce, pour remettre les péchés. Et c'est tout. Et c'était terminé. Mais Dieu a voulu que sa justice fût le plus possible satisfaite. Satisfaire signifie faire assez. Faire assez ou satisfaire, dans ce cas de la justice, c'est compenser. Compenser quoi? Compenser l'offense. Réparer l'offense de façon digne, condigne, c'est-à-dire compenser l'offense et ainsi donner à Dieu la justice nécessaire par laquelle, en rétribution du péché. C'est pourquoi Dieu a décidé que cette rédemption, que cette satisfaction serait offerte par un homme-Dieu, c'est-à-dire par une personne à la fois homme, à la fois Dieu. Pourquoi ? Parce qu'une simple créature était incapable de satisfaire à la justice divine. Un homme, un simple homme, ne pouvait pas rendre à Dieu cette satisfaction. Pourquoi ? Mais parce que, tout simplement, le péché avait corrompu la nature humaine. Et cette corruption était telle que, dans cet état de corruption, l'homme ne pouvait plus donner quelque chose de digne à Dieu. Il était lui-même corrompu et ses actions devenaient, par le fait même, corrompues elles-mêmes. Donc il ne pouvait pas réparer le dommage. Celui qui a perdu la santé n'a plus la santé pour la recouvrer, justement. Il lui faut l'aide d'un adjuvant extérieur. L'homme était blessé par le péché. Il ne pouvait pas, dans sa nature blessée, rendre à Dieu la justice équivalente. Et puis, d'autre part, le péché se mesure à la personne qui est offensée. Le péché est une offense à Dieu, et Dieu est infini. Donc le péché comporte quelque chose d'infini. Voyez-vous, quand on offense une personne haute placée en dignité, un prince, par exemple, ça n'est pas la même chose que lorsque l'on offense une personne qui n'est pas placée ou qui n'a pas d'honneur. L'offense existe toujours, mais elle diffère, on peut dire, en degré, en raison de l'honneur de telle ou telle personne. Or, Dieu est la toute-puissance et la souveraine majesté. C'est pourquoi l'offense qui atteint Dieu comporte une certaine infinité en raison de l'infinité divine. Si l'offense comporte une certaine indignité, eh bien il est nécessaire que la justice qui va réparer l'offense, pour qu'elle soit équivalente, équiparée à l'offense, comporte elle aussi une certaine infinité. Or l'homme ne peut pas offrir quelque chose d'infini. C'est un être fini. Voilà pourquoi Dieu a décidé que ce serait un homme, Dieu, qui offrirait cette satisfaction à Dieu. Et on comprend aussi comment le mystère de l'incarnation est ordonné finalement au mystère de la rédemption. Si notre Seigneur s'incarne, s'il assume la nature humaine en même temps qu'il garde sa nature divine, c'est pour pouvoir, sur la croix, offrir un sacrifice qui soit un acte de l'homme et un acte de Dieu. Un acte par lequel il répare au nom de tous les hommes parce qu'il est homme, un acte qui répare suffisamment avec une certaine infinité parce qu'il est Dieu.
Voilà comment le mystère de l'incarnation est ordonné au mystère de la rédemption. Et on comprend mieux maintenant que les erreurs que nous avons vues et qui s'opposent au mystère de l'incarnation, par voie de conséquence, s'opposent au mystère de la rédemption. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, par exemple, son sacrifice n'a aucune valeur. Il n'a pas de valeur infinie. Il ne répare donc pas la justice divine. Mais à l'inverse, si notre Seigneur n'est pas homme, alors le sacrifice qu'il accomplit sur la croix n'est pas le sacrifice d'un homme. Et que vaut-il pour nous alors? Justement, notre Seigneur a voulu être un parmi nous sans assumer le péché, mais il s'est fait péché sans avoir péché, dit saint Paul, justement pour pouvoir réparer au nom de tous les hommes. Voilà pourquoi il fallait qu'il soit à la fois homme, à la fois Dieu. La passion a donc été le moyen choisi par Dieu, accepté par notre Seigneur Jésus-Christ, pour réparer l'offense du péché, l'offense de tous les hommes. Par conséquent, cette satisfaction, c'est-à-dire ce sacrifice, satisfacere une fois encore, par lequel on fait assez, c'est-à-dire par lequel on compense suffisamment l'offense, une justice donc qui équivaut à l'offense faite à Dieu. Par conséquent donc, cette satisfaction fut d'abord volontaire, c'est-à-dire de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, elle est libre. C'est de moi-même que je donne ma vie. Et du reste, juste avant de mourir, notre Seigneur dit « Père, entre vos mains, je remets mon esprit. Ma vie, on ne me l'ôte pas, c'est moi qui la donne. » Notre Seigneur a souffert librement, c'est-à-dire volontairement. C'est la première qualité de cette satisfaction. Ensuite, cette satisfaction, comme nous l'avons déjà dit, est équivalente. C'est-à-dire que la réparation est égale à l'offense. Les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ, en raison de l'union hypostatique, donc en raison de cette personne divine qui assume la nature humaine, ses souffrances, donc, constituent une réparation égale à l'offense. Mais il faut dire encore plus que non seulement cette réparation ou cette satisfaction est équivalente, mais en plus, elle est surabondante. C'est-à-dire que non seulement le péché est réparé à hauteur, mais la réparation est encore plus grande que le péché. Et c'est ce qu'il y a de merveilleux, et c'est ce qui laisse une espérance à tout chrétien. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ est surabondante. Il y a dans sa mort sur la croix un excès de réparation, c'est-à-dire un excès d'amour. Et c'est là vraiment que Dieu a voulu nous montrer combien il nous aimait, nous, ces pauvres créatures. Il y a en lui une abondante rédemption. On lit ça dans les psaumes. Mais saint Paul dit aux Romains, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y avait beaucoup de péchés, mais il y a encore plus de grâce. Et saint Jean Chrysostome commente, disons, cette surabondance en disant, ce qui suffisait à la justice ne suffisait point à l'amour. Voilà comment donc cette satisfaction est surabondante. Et ensuite, il faut dire, et c'est nécessaire de le dire, que cette satisfaction est universelle. C'est la quatrième qualité. Satisfaction volontaire ou libre, équivalente et même surabondante, mais en même temps universelle. Et c'est ce qui découle de cette surabondance. Notre Seigneur est mort pour tous les hommes, et il n'accepte aucun homme. Il est mort pour tous. Vous avez été mis à mort, c'est saint Jean qui dit dans l'Apocalypse,
et vous nous avez rachetés pour Dieu par votre sang de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Le salut est universel. Dieu veut le salut de tous les hommes. Et en mourant sur la croix et en offrant une satisfaction surabondante, notre Seigneur, Dieu, nous prouve à l'excès, on peut bien le dire, non seulement qu'il nous aime, mais qu'il nous a tous rachetés et qu'il veut le salut de tous les hommes. Donc, cette satisfaction est universelle en ce qu'elle est ordonnée au salut de tous les hommes et de toutes les âmes. Elle est universelle aussi, si l'on regarde du côté du péché, en ce que tous les péchés ont été satisfaits par cette passion. Personne ne peut dire « mon péché est trop grand pour qu'il soit pardonné ». Ça n'est pas possible. Et c'est pourtant là le péché de Judas. Judas qui se rend compte qu'il a trahi son maître, qu'il l'a livré pour de l'argent, et qui est pris par le remords, dit l'Écriture. Donc Judas se rend bien compte de son péché, il en pèse la gravité. Mais au lieu de garder l'espérance et de se tourner vers notre Seigneur pour obtenir son pardon, comme il a vu pourtant notre Seigneur Jésus-Christ souvent dans sa vie remettre les péchés, pardonner à ceux qui demandaient, plutôt que d'aller pardonner, il dit « mon péché est trop grand ». Pourtant, voyez, Saint Pierre, comme Judas, on peut bien dire, renie son maître. Non, je ne connais pas cet homme. Péché grave. Une offense faite directement à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Pierre donc renie son maître par trois fois avec injure et déprécation, dit l'Écriture. Péché grave, surtout de quelqu'un qui était si proche de Dieu et qui avait tant et tant de fois promis à notre Seigneur, quand bien même tous seraient partis, quand bien même tous s'enfuiraient, moi je serai encore là pour vous aider, Seigneur. Et bien, Saint Pierre renie son maître, et que fait-il? Il croise le regard de notre Seigneur Jésus-Christ, et que lit-il dans ce regard? La miséricorde de notre Seigneur. Bien sûr, Saint Pierre pleurera son péché toute sa vie. Bien sûr, Saint Pierre fera réparation, lui aussi, pour son péché. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et Saint Pierre a été pardonné de son péché parce que la passion de notre Seigneur a satisfait pour tous les péchés, elle est universelle. Il est lui-même propitiation pour nos péchés et pour ceux du monde entier, dit Saint Jean dans sa première épître. Par la satisfaction, par la réparation, par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons tous être sauvés sans exception.